Hein, sauce au berger. Vous voulez me manger, non? Hein? Donnez le micro. Tu voulais me manger? Oui. Manger le délivreur. Moi, il te délivre. Et puis, tu veux manger. Monsieur? Oui. Tu veux le délivrer? Oui. Hein? De quoi? C'est quoi son prof? La sortie n'est pas bon. C'est dedans. C'est le travail que tu as eu à faire. Et tu as fait quoi? J'ai tué les gens. Combien? 60. Hmm? 60. C'est pas 9? Non. C'est pas 69? Non. Il a diminué, non? C'est 69 moins c'est 60. 69. 69. Et puis, je vais mettre 2 dessus. Hein? Je vais compléter 2. Non, non, donc tu as dit, tu as tué 69, non? Tu les as mangés. Hein? Tu les as bien mangés. Comme là, c'est la fête maintenant, tu veux mettre 2. Oui, oui ou non? Oui. Tu veux les mettre 2 là-dessus? Oui. 1 pour le 25, 1 pour le 31. Hein? Oui. Il t'allait les manger. Oui. Comment ça n'a pas marché? Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Oui. Sinon toi tu étais prêt. Hein? Oui. Tu étais prêt. Oui. Tu les as déjà attachés. Mm-hmm. C'est qui tu as voulu prendre les deux là? C'est la peine, voici Quadou. Voici les où? Et pas ici, le Quadou. Et tu l'as attaché. Mm-hmm. Pour le manger. Mm-hmm. Et deuxième. Le même point là-bas. Où ça? La côte. La côte. Et je voulais le manger. Mm-hmm. Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Comment Jésus est là? Jésus est là puis tu as mangé les 9, 29, 69. Oui. Vous dites comment Jésus est là? Parce que Jésus est puissant. C'est toi qui sais pas ça. Tout seul, c'est moi que Jésus est. Mais comme il est païen, là. Tu es païen? C'est avant, il partait à l'école, mais il a arrêté. Et chez l'homme, à l'église, il a arrêté. Vas-y, tu voyais rien à l'église là-bas. Mais quoi? Quoi? Comment Jésus a délivré les deux autres qui voulaient manger? Quand il dit, un jour, il était au campement, il dit, il faut pas faire. Il m'a donné là-bas. Et puis, on me dit seulement. On s'en va. Deux personnes, tu voulais manger là. Mm-hmm. Comment Jésus a dit stop, ne mange pas. Il avait eu du feu. Hein? Du feu. Il a mangé du micro. Il avait eu du feu. Là, il se trouve malade. Tu as quitté le campement, là, tu as quitté le feu. Il va plus. Il a du feu. Il fait au-dessus des gens là. Ouais, ça il va plus. Maintenant, qu'est-ce que tu as gâté? On s'en va générer sa tête. Quand il était prêt, il n'a pas voulu, donc on est resté. Quelles chances des gens tu as gâté? Hein? Des gens, on n'a qu'à sortir. Il dit qu'elle est sortie. Moi, je suis. Attention. Je n'ai pas d'être délivré. Alors, je vais les venir. Comment elle va venir? C'est toi qui vas avec elle. C'est toi qui vas mettre. C'est moi. Tu bouges avec elle. Tu bouges avec elle. Comment ça? Parce que. Tu forces ou les
Non, mais il ne faut pas. Mais tu ne parles pas aussi. Je parle. C'est-à-dire, c'est comme un truc de vent là. Quand il voit, il voit ce qui à côté de moi. C'est comme ça. Monsieur, alors va t'asseoir. Va t'asseoir. C'est quelque temps sur ça, venir. Raconte-nous tout ce que tu as fait. J'ai rendu ma soeur malade. J'ai pris les mains de ma mère, je mets sur les pieds. J'ai. Où est sa soeur malade? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu couches avec le mari, et puis la maman. Oui. C'est-à-dire tu couches avec l'homme, le mari de ta maman, oui. Et puis les deux. Oui. Comment tu fais pour l'homme? Je vais la faire en femme. Hein? Une femme. Et puis lui couche avec toi. Oui. Maintenant pour ta maman, tu fais comment? Je vais transformer en garçon. Tu couches avec ta maman. Oui. Et tu trouves, quel plaisir tu gagnes. Oui. Non, c'est pour quelque chose, une cause. Quand tu fais ça, tu quoi? Tu es malade? Oui. Tu as dit le même problème, du coup, c'est ça? Oui. Au niveau du cou, des os qu'on a drépanés. Oui, l'asthme, l'ulcère, pleuris, sinusite, c'est un paquet. De malades. Kids. Donc c'est ça le paquet de kids. Tu peux m'attendre au micro. Tu crois que Jésus peut te guérir? Oui, je crois. Tu crois à la mission de Jésus? Jésus guérit le cancer. Tu as mis la gamme tout à l'heure? Oui. Jésus encore peut te délivrer. Je crois. Merci. Jésus te touche. Jésus te guérit. Je maudis dans ton sang la présence de la maladie. Dans tes os. Touche. Elle est là. La puissance de Jésus te guérit. La puissance, je parle ici sur le banc là, la puissance de Jésus, sa puissance te guérit. Comment? Et lâche la vie. Je commande aux esprits de lâcher la vie. Je maudis l'esprit dans ce corps. Je maudis l'esprit, la présence de cette maladie dans ce corps. Lâche ce poumon. Nom de Jésus-Christ. Je maudis la présence du Christ, la sinusite et toutes sortes de maladies dans ce corps. Je proclame ça, la délivrance maintenant. Oui, maintenant. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. Comment? Allez! La puissance de Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Immédiatement. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Sa puissance te guérit. Sa puissance
te guérir. Oui, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ton miracle, la puissance de Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Sa puissance te guérit. Sa puissance te guérit. Sa puissance te guérit. Lâche-la. Jésus te guérit. 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 Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Travaillez votre intelligence, doublez ça. Ah, travaillez l'intelligence. En Europe, on m'a chassé. C'est à Paris, j'ai vu ça. Comme Amela Dio, elle va vouloir rendre, ça va la libérer. Elle va ramener. Amela Dio. Elle va vomir. Amina Dior. Viens, viens sa mère. Viens. On est à manger placali matin. Hein. C'est pas lui le petit l'a acheté dimanche. Oui, viens. C'est celle-là que tu as gâté. Elle est qui pour toi? Tu l'as gâté. Comment tu as fait? Où est la mémé? Qui t'a donné ce lait? Elle est où? Voici mon fils, hein. Vous êtes d'accord? Non, film. Non, film, non, truc, hein. Pas de rien, la vie, non, maman. Non, film. Vous avez rempli les fiches. Je suis en train de prier. Viens ici, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, madame, je suis en train de prier pour faire des sorcelleries en voûtement des enfants. Toi, tu dis quoi? Ça, je joue, on a pas prié. Mais moi, je n'ai pas envie de casser. La petite de la c'est moi qui l'ai envoyé ici. C'est moi qui l'ai envoyé ici. C'est moi qui ai mis ça dans sa bouche. Ça, il va dire. Non, je pose une question. Réponds-moi. C'est moi qui lui ai dit que c'est toi. Non. C'est celle-là qui doit te protéger. C'est elle qui a dit depuis la Suisse. C'est pas ça? C'est moi qui ai dit ça. C'est depuis la Suisse, elle dit que c'est toi qui l'as dans la sorcellerie. Hier, je causais avec ta fille. Ta fille dit, avant que la fille ne parle, elle avait déjà vu que tu étais déjà sorcière. Et moi, j'ai confirmé ça. Et puis, je t'ai dit, maman, je vais t'aider. Tu vois ce que j'ai dit? Tu m'as dit ça. Alors, mais ton problème est où? Mon problème, c'est ça que je dis. Les gens là, ils cassent ma... Hey, stop! Quel bidon on prend? Il ne faut pas mettre ton nom en l'air. Il faut respecter Dieu. C'est ça que je dis là. Si je vois quelque chose, il va te dire. Mamie, tu veux être délivré? Oui. Tu veux être délivré? Oui. Tu veux être délivré? Oui. Qui l'a raison de délivrer? C'est moi qui ai dit d'Elisa. Non. On va t'aider. On m'a aidé. On m'a aidé. On m'a aidé. Il a dit qu'on m'a aidé. On m'a aidé. Il dit c'est moi qui ai donné. Il dit, c'est toi qui as donné. On m'a aidé. Demain, tu vas retrouver une famille, il va t'aimer. Tant qu'il aura la bête en toi, c'est qu'il mange l'homme là. Tu n'as pas mon fils, ton fils. Ah oui. Après ça, je suis délivré. Vous faites quoi? Pour délivrer mes enfants. Elles seulement? Moi-même. Ah, comme tu dis pour les enfants seulement, là comme ça, toi tu vas voir ça, tu vas aller manger pour tout et ça. Eh bien. Tu veux aussi être délivré? Oui. Tu vois que la sauce n'est pas bon. Tu vois que c'est pas bon, non? C'est pas bon. Donc on n'a qu'à délivrer les gens. C'est pas bon. Mets ton genou. On va te réconcilier avec tes enfants.
D'autres pasteurs ont dit, au plus, salue ta maman. Nous, on dit, on va délivrer maman, et tu vas lui donner à manger. C'est différent. Tu comprends? Voilà. Nous, on ne sépare pas les gens de leurs parents. On comprend la sorcellerie, puis on dit, viens, ton papa sorcier là, viens, on le délivre. Parce que on ne choisit pas les parents. C'est Dieu qui a voulu que ce soit toi, sorcier, qui l'amène au monde. Donc, si tu ne l'as pas encore mangé, maintenant tu as envie de la manger, que le Seigneur a vu ça, il faut qu'on te délivre aussi. Pour que tes derniers jours là, tu bénéficies aussi. Vas-y, même si tu es délivré, on t'aide. On est d'accord? Il faut dire à partir d'aujourd'hui, je te laisse. Il faut parler. Ce n'est pas de justifier. À partir d'aujourd'hui, ma fille, je t'ai laissé. Mm-hmm. Il m'a dit que, quand il est parti, il dit, il fait plus enfant. Il dit, il fait plus enfant. Oui. C'est lui-même m'a dit hier, hein, ma fille. C'est ça, il dit, moi, je veux petit métisse. Mais puis tu as fermé. Qui t'a fermé? Non, non, moi je ne dis pas l'homme pour ça, il y a trop de monde ici. Toi, les droits buts. C'est ça, il a dit ça. Il dit, quand il dit ça, avant, il m'a vu que je suis parti là-bas, il dit, il n'a qu'à me donner ça. Bobo Douma. Ouais. Et puis il a mis dans le soupir pour me donner. Mm-hmm. C'est le même, c'est le même. Donc? C'est ça, il a dit, il n'a qu'à dire. Mais tu n'as rien dit, hein? Dans tout ce que tu as dit là, rien. Ça, je dis là. Ouais. Tu dis quoi? Ouais. Lui, il a vu. Il m'a dit, je ne peux pas dire non. Oui, un bout de sorcier. Oh, sorcier. Je ne peux pas dire ça. Donne la fille, il faut la laisser, elle va faire enfant. Où est? Il a laissé. Non, c'est maintenant que tu as laissé. Il a fait enfant, t'es enfant. Elle dit, hein? Moi je parle avec elle en Suisse. Hein? C'est elle qui est venue me voir ici. Oui. Elle dit, elle t'a vu déjà en rêve. Elle t'a dit ça hier, non? Hein, oui, toi tu as pris son enfant d'enfantement. Il a dit. Mais, c'est ce qu'on dit, laisse ça, oui. Laisse. C'est ça, je dis. Si c'est ça, je vais laisser. Regardez. Je vais laisser. Hein? Je vais laisser ça. Je vais laisser. Vrai, là. Oui. Elle va mettre enfant au monde. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu vas plus l'emmerder. Oui. Tu as plus emmerdé la petite fille là. Oui. Tu es sûr? Je suis sûr. D'accord. Vous avez de lui là? Oui, après je vais faire. Mon quête là, un peu qu'on ne peut plus tout régler ici. Ah, pas. Hein? On va vouloir faire ramouiller. On va payer les plastiques. On va monter dedans. On baisse. Non. Les cuvettes en plastique. Elles montent dedans. On baisse. L'on requiert l'huile. On baisse. Voilà, ça gâte. Voici un enfant. Tu as mis au monde. Elle est belle. Elle a peur de toi. À cause de ce qui est en toi. Elle a peur. Or, si tu es délivré, qu'elle est délivrée, elle est tout à moment. C'est pas ça? C'est ce qu'on veut faire. Sinon, d'autres disent, oh non, ta maman est sorcière, vous ne passez même pas chez elle. Oh non, on veut vous réconcilier. On veut vous mettre ensemble. Mais ensemble là, ce qui fait que vous n'êtes plus ensemble là, c'est ça qu'on va gâter. On appelle la sorcellerie. T'as compris? Et puis, je suis convaincu qu'elle aura enfant. Faut pas la merder. Non, je ne peux plus la mettre. Tu l'as mangée avant. Tu veux la manger. Tu dis quoi? C'est moi qui pose la question. Moi, je suis ici là. Moi, c'est que j'ai vu dedans. Madame. C'est ta fille? Oui, c'est ma fille. C'est la Zégui. C'est moi qui aurais dit de dire que c'est toi. Non. Donc stop. T'as compris? Le scout en train d'amener là. Stop. J'ai rencontré les sorciers qui ont dit je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais, je suis pas dedans. Ils sont venus ici malades. Demandez pardon devant ici. Ils sont venus demander pardon. Ils m'ont insulté jusqu'à ce qu'ils sont venus ici pour demander pardon. Non, arrête ta comédie.
tu n'arrives pas à procréer. Bon. Alors, où enfant tu veux? Elle a quel âge? 20 ans, il n'y a pas d'enfant derrière. Hein? Mais c'est tu ne veux pas enfant? Le cas d'âge derrière, l'enfant que tu as pris, enfant à 19 ans. L'enfant à 19 ans? C'est la deuxième. La deuxième, laquelle? C'est la deuxième. Moi, je les ai fait pour. Oui, non, ça ne veut rien dire. C'est maintenant que tu es dans un mariage. Non, je n'ai pas encore. Donc tu veux parfait enfant, n'est-ce pas? Que ce manifeste dans ta vie. Je déclare la puissance de Jésus. Tu as mis un verset. Ce qui t'a mis dans son ventre là, c'est un mari à tête aux heures. Sa vie en est, c'est ça? Quand? Lâche la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Te délivre maintenant. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Je proclame ta délivrance maintenant, dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Quitte son corps et va-t'en. Quitte son corps et va-t'en. Quitte son corps. Quitte son corps et va-t'en. Lâche-la. Quand? Lâche-la. Libère-la. Maintenant même. C'est un ordre. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Va-t'en. Va-t'en. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Lâche-la. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je libère ton âme. Je proclame ta délivrance. Je libère ta vie. Dans le nom de Jésus. Jésus te délivre. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te délivre. Lâchez totalement sa vie. Libérez totalement son âme. Libérez totalement sa vie. Libérez totalement son âme. Dans le nom de Jésus. Sa puissance te libère. Lâche-la. Lâche-la. Tu quittes son compte. Tu quittes sa vie. Dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâche-la. Le feu dans ton ventre. Le feu dans ton ventre. Dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. La puissance de Jésus. Je libère maintenant. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Maintenant. Lâche-la. Lâche. Si. Lâche-la. 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 Lâche-la.
L'actionnable. L'actionnable. Tu vas la libérer. Lâche-la. Au nom de Jésus. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Tu quittes sa vie et maintenant la vie. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Voilà. Tu quittes sa vie. Définitivement, je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. En libérant ton âme, ton esprit et tout ton être par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Merci Jésus pour ta main si elle. Merci pour ta grâce. Tu es délivré. Moi-même de Lucien. Vous tous, de quoi? Les Vaïr. Ils sont beaucoup. Fais comme ça. Ils sont beaucoup. Oui, 10 et ce qu'on a beaucoup. Arrivé là. Les Vaïr qui sont en toi, là, c'est beaucoup. T'envoyer là-bas. Bonne question. Vous envoyez où les sorciers envoient les gens qui mangent là? Où ils les envoient là? Hein? Tu vas pas là-bas? Tu vas pas à Mauritanie? Pourquoi? Mais tu vas connaître d'ici demain. Tu vas arriver là-bas avec. Ils vont t'accueillir. L'esprit de la sorcellerie. Le feu sur toi. Parce que regardez, quand elle fait des aveux, il y a des démons qui la possèdent. Hein? Si elle n'est pas débarrassée de ce démon, elle est encore sorcière. C'est pour ça que les aveux ne suffisent pas pour que quelqu'un soit délivré de la sorcellerie. Compris, il faut que les démons qui en elle se manifestent et qui quittent le corps. Comme cela, vous êtes sûr qu'elle est délivrée. Lâche-la. 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 Le feu sur toi. Comme le feu consume tes œuvres dans ce corps. Et va-t'en. 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 Pas. Maintenant. Pas. Et maintenant même. Tu la libères maintenant même. Quitte son corps. Quitte. Quitte son corps. Et lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Le feu sur toi. Libère-la maintenant même. La puissance de Jésus-Christ écrase ton pouvoir dans ce corps. La puissance de Jésus écrase ton pouvoir dans ce corps. Et libère-la au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Je mets le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Je maudis la présence des ténèbres dans ce corps. Va-t'en. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Je maudis ta présence. On est là dans la délivrance. La vie, tu veux être délivré. Tu veux partir là-bas ou bien tu veux être délivré? Hein? De quoi? Hein? Hein? Tu dis ça petit. Sorcière. Hein? Sorcière. Les sorcières. Tu veux délivrer de ça? Amen. Ok, donc tu attends tout à l'heure. On va prendre l'huile. Tu vas parler. Pas ici. On va finir tout à l'heure.
on va régler ton problème. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu as reçu le visa, c'est pour toi. On va prier pour vous. Venez les enfants qui l'ont, les gens qui l'ont voté, le monsieur. Les parents ici. Daniel.